Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allez, mission. Rébellion. La mission du concierge. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Pré-Holler avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Pré-Holler. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Oui, Gwen. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Pré-Holler. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Pré-Holler, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante. T'as bien avancé dans le jeu. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurais besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Pré-Holler prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. C'est lui qui t'apprend ça, je me doutais. Le couvre-feu? À
Allons, vous me rappelez un peu moins à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Et voilà. Faut voir que je chatte mes magies comme il faut sans tout mélanger. Elle est où, ce magie-là? Allô, Mora. Ah, ok. Merci. Ouais, c'est ça. Ah, faut que je fasse les deux en même temps, je vais comprendre. Bravo, il faut que je vais coller mon affaire qui encore tombe, qui encore détaché. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Réveillez-vous. Ah, il y en a une là. Très cher Mirabelle,
Ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière ou beurre. Ou deux, si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps, lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu acceptais de te séparer de quelques-unes de tes plantes. Les plus adorantes, en fait, depuis l'attaque du troll. Les chiens se plaignent d'une odeur de chaussettes sales. Crois-le ou non, et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt, avec ou sans les plantes. Ton ami, Sirona. Je suis sorti d'un là. Rébellion. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité de Tab Tessebou. Au Quidditch qui, à mon avis, a permis à ce sport de se moderniser, il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui se demandent qu'avoir des gardiens de Quidditch de faire replotir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux, mais j'ai pris acte de vos inquiétudes et dès qu'il y en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée sur son exploit. Département de justice nous accordant beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder deux places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce que le gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Penvin, ministre de la magie. Rébellion. Ok. Révèle les figures d'autorité dans le plafond ennemi et vous permettant de parfaire et de ne pas les détecter. Appel à destination du personnel, les elfes de Maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris aussi dépourvus parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, un cache de pétard surprise est tombé de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue, tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit de nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. Imaginez que le coupable n'est autre que Peeve. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Wesley, directrice adjointe. Rébellion. C'est déjà où tu vas aller. Il va
Bon, il m'en manquait deux à partir de lui. Voyons. Réveillio. Allô, Mora. Il n'y a pas de 165, c'était pas, il n'y a pas de... Dans ma lettre, c'est... Abraham, chéri, tu aurais été ravi de voir. Les enfants du coin se sont mis à jouer au bave-boule dans la rue, juste sous la fenêtre de ton bureau. Je dois dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que la plus jeune n'avait pas son matériel de bave-boule, alors je lui ai prêté le tien. Je sais que tu aurais approuvé. J'espère que nous pas... que tout se passe bien au château. Je suis soulagé que tu sois arrivé là-bas sans encombre. C'est terrible ce qu'il s'est passé avec cet homme du ministère. Voyageait-il vraiment avec Eleazar et une jeune personne? C'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant. J'ai hâte que tu me dises tout ce que tu... sur les participants du plateau d'attraction. Cette année, tes élèves doivent t'adorer avec tout mon amour. M. Et mes écouteurs, ils se mettent à craquer dernièrement, là, puis le volume a coupé. Ça arrivait de temps en temps, mais là, c'est tout le temps. Si je... on espionne les processeurs, alors? Ah ouais, on peut pas passer devant? Putain. On est transparent pis nous voit, c'est comme voyant dedans. Rébellion. Imagine. Le jour, j'imagine qu'il y a moins de personnes le jour. Décevant, je dois dire. Vraiment?
Il y en a un autre, là. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. Si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Si l'un de ces gobelins m'approche, je l'enverrai sur la route. En tout cas, je vais pas faire une révolte de gobelins éclats. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Ekat. Je ne crois pas que ce soit le but. Beaucoup faire des élèves sans là. On manque encore 10. Ah, bah, nice. On s'approche. Si, ouais, je voulais pas me faire voir, c'était pas la meilleure manière. Cette majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité, de calme à l'infirmerie de Poudlard. Tabarnak! Pas Serre d'Aigle! Je m'y connais en Paris et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année. Ouais, ben, il est arrivé en même temps, 25, là. On va le faire bouger tabarnak qui reste dans l'escalier. Allez là, c'ti. Il va m'en rester une. Thank you.
Allô, Mora. Ah ouais, mais Chris, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu restes là tout le long? À un moment donné, il va faire ta vie, esti, propane-toi. Ah, d'accord. C'est quelque chose en bas. Ah, ça je savais pas ça, bah. Sur Pouf Souffle cette saison. Pouf Souffle ? Serre d'Aigle ? Je le connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année. Et j'ai moi-même un faible Pouf Souffle. Oh, qu'est-ce que c'était ? Comment
Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Enfin bref. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui compose la condition humaine. Collègue, école de sorcellerie, infirmerie, guérisseur de Madame Noreen Burley, nom du patient censuré, censuré sous l'ordre du professeur Black, remarque. Le patient a été blessé pendant un match de Quidditch, même si j'estime qu'une censure n'aurait pas... saurait être comptée comme une blessure. J'irais même jusqu'à dire que quelqu'un est blessé, c'est moi. J'ai levé les yeux au ciel si fort que c'est un miracle que ma vue me permette d'écrire ceci. C'est incroyable et vraiment mesquin, mais la direction veut maintenant annuler la saison de Quidditch. Tout cela parce que du sang pur a participé à... avant même que le vif d'or ne soit repéré. Lorsque j'ai tenté de raisonner le directeur, on m'a dit de... C'est toute bonne... C'est... Réveillon. Allez là. Shit. Ok, faut rien que je vois à l'autre, ok. Et l'autre, elle marche face au mur. Hein. Tabarnak. Réveillon. Confringo. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire de Fidji. Tous les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créés par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec les bleus sans carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances en Ardennes. Bon. 3 plus 2. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fait 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espèce de cochonnerie. Cinq.
5. De suite. Il reste 0. Puis là, je me suis trompé. Ça fait 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, oh, j'ai mis la mauvaise. Non, je pense que c'était ça. Je regarde en 2 secondes. 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comment j'ai dit 7, 8, 9, 5. Ça fait 8. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est un araignée. Ouais, je l'ai, ça. Je sais c'est quoi, c'est de 0 à 9, là. C'est 3. 4, 5. C'est 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une araignée. Pourquoi y'a pas d'araignée? Hey, c'est-tu moi qui sais plus lire? Là? 0, 1, 2, fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fait 8. 8, c'est l'araignée. Wow, y'a quelque chose qui va pas, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai tout ouvert avant. 5. Rien, c'est 8. 9, 10, 11, 12, 13. Fait faut 0. 0 est là. Moi que c'est 7, j'ai mal compté. Je pense que j'ai mal compté. J'ai compté 3 fois pour compter pour mal compter. C'est ça que c'est. Hostie, j'ai compté 4 fois pour mal compter comme du monde. Tabarnak, quand tu comptes, tu t'es droit puis tu te trempes, là. Réveille-nous. Fuck you. Ah, cette photo-là, je l'ai trouvée, elle était dans le top d'une tour. Près d'une porte.
L'espèce de mission qui a duré trop longtemps. Elle comme 44 minutes, waouh. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intrigant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Quelle chance d'avoir quelqu'un d'assez courageux pour éradiquer la menace des statues de demi-guise. Confringo. Oh, Carlis. Bonjour. J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste... Rebellio. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Laissez notre musique, merci. Très vite, Flo. Il déjà était là. Rebellion. La clé de la pédale, il en manque une. Monsieur Moon m'apprend une version plus adhérée. Une fois que j'aurai trouvé toutes les statues de Demingiz, je devrais regarder dans Poudlard. Après Ola, dans plusieurs.
Ils disparaissent quand tu te rapproches d'eux autres. Peux-tu me rappeler comment fonctionnent les clés du dédale, déjà? Lorsque tu entends ou repères une clé volante, tu dois la suivre jusqu'à son armoire. Le plus difficile est de l'insérer dans la serrure. J'espère que t'en suivras quelques-unes. Si tu ouvres une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Adélaïde Duchesne, c'est bien ça? J'ai reçu ton hibou. Oui, je suis Adélaïde Duchesne. Oh non. Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolar et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop? Tu as raison de t'inquiéter, Adélaïde. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Tu voudrais bien enquêter pour moi? J'ai entendu dire que, tout comme oncle Roland, toi aussi tu avais un penchant pour l'aventure. Ton oncle fait-il souvent affaire avec les gobelins? Oui, et ça depuis longtemps. Il parle même le gobel Babil, c'est dire. Mais il ne m'a parlé de la bande de Ranrock que récemment. Et il a insisté sur le fait que le risque en valait vraiment la peine. Il fait tout ça pour moi. Il faut dire qu'entre les tenues et les fournitures, ce n'est pas donné d'aller à Poudlard. Et en plus, Roland a plutôt des goûts de luxe. Il a tant sacrifié pour moi toutes ces années. Je lui ai promis que dès que j'aurai fini mes études à Poudlard, ce sera à mon tour de m'occuper de lui. J'imagine que tu es proche de ton oncle. Oui. Ma mère est morte quand je suis née. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. C'est Roland qui s'occupe de moi depuis toujours. Il sait que je m'inquiète quand il voyage. C'est pour ça qu'il m'envoie tous ses hiboux, pour me signaler que tout va bien. Je vais faire des recherches, Adélaïde. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Adélaïde, c'est pas la mère de mon voisin, ça? J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Oh, oncle Roland, quels ennuis vous vous êtes attirés. As-tu te fait des défis de Merlin? C'est important pour les objets. Oh, voilà une agréable surprise. Ah, j'en ai
Je n'en ai pas suffisamment, j'en ai plus. C'est mon dernier. Bon. Rebellion. Confringo. Où l'autre? Confringo. Oh, faut que je fouille, de la chaveugue. Avec les pierres que je galère, moi. Les pierres. Ah, il est là. Confringo. Je fais. Et voilà. C'est réglé. Mais j'en ai plus, tu sais. Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur Duchesne ?
des fidèles de Ranrock, juste devant. Faut-il mieux employer la force ou faire preuve de discrétion? Ah, barnac. Monsieur Duchesne. Revelio. Fingo! Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes. Ses repères nous guideront peut-être jusqu'à lui. Ok. C'est trouvable, mais... Rebellion. Lumos. Ça m'intrigue. Revelio. Confringo. Bon. Il est... Oh, y a un... Ok. L'inventaire... Ok, on va suivre ça. Il n'y a rien à braconner à Arancher. Des araignées, mais ça n'en vaut pas la peine. Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu. L'arbre tordu ? Un arbre tordu, comme sur la carte. Ça va être à ta gauche. La ruine ne devrait pas être bien loin d'ici. Et voici la tour en ruine. L'endroit indiqué sur la carte doit se trouver juste au sud. Qu'avons-nous là ?
Pringo. Wingard. Ça a l'air douloureux. Ok, c'est quoi la... Je me rappelle plus c'est quoi la magie que j'ai eue qui m'aidait contre ça, le violette, hostie. Et voilà. Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Une échelle. C'est exactement ce qu'il fallait. Qu'est-ce que c'était ? Je dois perdre la tête. Il n'y a que moi ici. Levioso. Confringo. Confringo. You. Voici l'endroit où tu es. Il y a quelqu'un qui part ici. Wingard, l'homme des dieux. Faible, humain. Flipendo, tu es sortilège. Ne m'atteigne pas. Je n'ai eu aucun mal à divier. Les dieux sont. Tu ne viens pas te battre plutôt. Ah. Bon, je reviens, putain. Je vais vendre du stuff, je n'ai trop. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ?
J'espère que tu vends tu vends tes affaires, mais tu les jettes pas. Là. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Okay. J'espère vous revoir très vite. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Non, batterie, tu mens. Et voilà. J'espère vous revoir très vite. Oui. Chic ? Ah, Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chic a déjà vu ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures sont plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chic. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Oui, mais je voulais pas faire ça, moi j'avais des choses à faire. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voulez.
quel plaisir de vous revoir. Allons bon. C'est pas le genre de fête où on a envie de venir sans personne. Qu'est-ce que c'est? Te voilà. Le château renferme toutes sortes de secrets. Toujours. Réveillon. Action. Confringo. Confringo. J'ai l'impression de faire ça depuis des heures. Il y a quelqu'un? Un humain de moi, s'il vous plaît. Confringo. Réveillon. Réveillon. Wingardium Leviosa. Qu'est-ce qui a été ce bloc-là? Lumos. Tu l'as-tu fait cette mission-là, toi? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Rébellion. Que tu vas passer un sale quart d'heure. Restez sur moi. Je vais venger ta mort. Wingardium Leviosa. Fingo. Fingo. Comment, toi? Je dirais qu'elle avait raison. Allô, Mora. Thank you.
Leviosa. Revelio. Fringo. Lumos. Malin de revenir par ici. Revelio. Confringo. Confringo. Revelio.
Là, j'ai passé à 0 à 9 bouteilles. Pas ça. Je suis beau là-dedans. Revelio. La porte d'une chaudière. Comment l'ouvrir ? Ah, tu vas regretter d'avoir mis des pièces. Ouais, probablement j'ai allumé l'affaire qui était là-bas. Là. Mais avant d'aller là, je vais terminer ici. Là. Ici que j'ai pas encore été. Là. Rebellion. On met du stuff ici. Ouais, mais je pense qu'il faut que je va par là, si je vais passer ici en premier.
entièrement la faute de Ranrock. Ah, c'est déjà tu te plains. Revelio. On va me débarrasser de celui-là. La première fois que je détruis un objet, mais là, il y a des limites à s'en aller puis revenir. Rébellion. Mais là, pourquoi venir ici? Confringo. Ok. C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. Revelio. Bon, là, j'ai sa baguette. Et là, maintenant, je serai prêt à aller attaquer le reste. Je vais chercher ma plug après. J'en ai une, mais pas assez longue. Hein. Je vais chercher mon booster. Eh oh, Monsieur Duchesne? Monsieur Duchesne, c'est moi, Gwen. Par chance, j'ai déjà trouvé votre baguette, Monsieur Duchesne. Rébellion. Vous avez réussi! Vous avez trouvé ma baguette et... Attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, Monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin, vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Adélaïde et moi sommes amis. Elle s'inquiétait de vos liens avec les fidèles de Ranrock. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit,
Ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit, mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, sincèrement. Vous avez dit avoir entendu des choses. Rien de très réjouissant, je le crains. Je crois que Ranrok a décidé de régler ses comptes avec les sorciers. L'élevage de dragons a été interdit par la Convention des sorciers de 1709. Mais Ranrok est tombé sur un élevage illégal. Il était jeune et trouvait ces créatures fascinantes. Il se rendait au camp en secret dès qu'il en avait l'occasion sans jamais se faire repérer. Après des semaines de prudente observation, il a finalement trouvé le courage d'aller parler aux responsables. Ranrok voulait les rejoindre, eux et les créatures. Le sorcier avait laissé tomber sa baguette. Ranrok y a vu une opportunité. Il l'a alors ramassée et est allé la lui rendre avec la seule idée de se présenter. La vue d'un gobelin armé d'une baguette a rendu le sorcier fou furieux. Il a rossé Ranrok et l'a laissé pour mort. Depuis ce jour, Ranrok déteste les sorciers. Nous sommes tous aussi cruels à ses yeux. Vous parlez le Gobel Babil, je crois. Les sbires de Ranrok n'en savent rien, mais oui. J'ai toujours apprécié la culture gobeline, et je me destinais au commerce du métal depuis mon enfance. Apprendre leur langue n'a pas été simple. Elle est complexe, et ma mémoire ne vaut pas mieux que mes genoux aujourd'hui. Mais après des décennies à travailler avec des gobelins respectables, j'ai fini par la maîtriser. Du moins... Qu'est-ce que tu fais, Gwen ? Je suis content d'avoir pu vous aider, Monsieur Duchesne. Adélaïde a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Vous allez vous en sortir ? Ça ira, Monsieur Duchesne. Retournez auprès d'Adélaïde. Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. Ah, j'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça, je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Ranrok ne l'auraient jamais libéré. Revelio. À moitié. Pourquoi ça dit qu'il y a un coffre là? Quelque chose que j'ai oublié. Ah, ici. Revelio. Confringo.
On va t'entendre dormir, j'imagine. On vend les objets, on revient là. On fait quelque chose, quelques activités de Merlin. Il y a deux à faire dans ce bout-là, on va les faire. Donner de la place. J'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. On prend une petite pause avant. Vous avez besoin de potions, je suppose. Mais avant, je vais faire quelque chose rapidement. J'espère vous revoir très vite. On va aller à Poudlard. Je vais regarder le niveau. On peut pas l'utiliser. C'est quel niveau? 25, c'est bientôt. On n'a rien touché là-dessus. Le nouveau casse. 57, 65, 67. Ah, elle est différente parce que... Elle a un nom, celle-là? Ah, c'est la première fois que je vois un attribut que je remarque, en tout cas.
J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. J'espère vous revoir très vite. Pourquoi je l'ai pas vu tantôt? Ah, il est bloqué. Bon, on va sauvegarder là, on va prendre une petite pause, puis on va revenir. Alors, c'était tout pour l'aventure du jeu. Voyager était incroyablement pénible avant que Hogwarts Legacy. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!